C'est un ami qui me l'a mis dans les mains. Il m'a dit "Lisa, c'est vraiment super et, euh, et ben, il avait raison. Voilà <laughs> euh, ouais, ça s'est passé comme ça vraiment. Euh, je connaissais pas le roman et bon, entre potes hein, des fois on se prête des bouquins euh, voilà donc c'est comme ça qu'il que j'ai que découvert et que j'ai lu euh, la Horde du contrevent. Pourquoi une adaptation de, la, de ce roman euh, bah, c'est une question très très vaste là, que, que tu me poses. Il euh, bon, y a le fait que j'ai vraiment adoré le, le roman. Pour moi, euh, c'est un, un roman qui m'a énormément touché. Bon, je ne suis pas le seul, hein, bien sûr, mais il euh, je pense que c'est la, la vision du monde qui est, qui est, qui est, qui est dépeinte dans, dans, dans ce roman, la, la philosophie de, qu que pour moi on découvre à la toute fin du, du roman qui, euh, voilà, qui me correspond particulièrement. Enfin, moi, je me suis vraiment reconnu dans, dans ce récit. Euh, après des affinités avec des personnages euh, dont on sauve par exemple que j'ai d'ailleurs choisi comme euh, comme protagoniste principal du, du récit euh, et puis le, le fait que voilà j'étais vraiment face à un livre euh, une espèce d'ovni quoi où je me disais mais ça c'est vraiment euh, j'avais jamais lu ça avant quoi enfin, un temps du point de vue littéraire que de l'univers décrit etc j'ai vraiment le sentiment de avoir quelque chose de très singulier entre les mains. Après, je me suis pas, euh, c'est pas en fermant le bouquin, je me suis dit bon, bah je vais, je vais en faire une bande dessinée. Ça, ça a pris du temps en fait. Euh, J'ai des amis en fait qui connaissent, qui connaissent Alain, euh, et je pense que ça a participé. au fait, je me dis tiens, mais en fait, il est, il est pas loin de moi. Est, Alain est marseillais, moi aussi. Euh, euh, on s'est pas rencontrés par ces amis-là en commun, mais euh, mais je pense que ça a dû jouer dans. dans euh, dans, dans cette espèce de, de cheminement euh, qui s'est fait progressivement. Donc quand j'ai rencontré Alain et que je lui ai euh, proposé, euh, je lui ai dit voilà, j'aimerais euh, adapter euh, votre roman, parce qu'au début je le vous voyais, hein. c'était très poli tout ça, très respectueux, euh, je le suis toujours, mais euh... <laughs> on se tutoie. <laughs> et, euh... Quand je suis allé le voir, enfin, pour moi c'était une évidence. Enfin, pour moi, faire l'adaptation, ce n'était euh, pas juste dessiner euh, l'univers de la Horde, c'était aussi euh, m'approprier le récit et en, et en faire le, le scénario. Euh, bon, déjà au départ, Alain n'était pas super convaincu par mes dessins. Et il avait regardé euh, le 13 Mystery, qui bien évidemment est dans un univers complètement différent. Euh, et donc il me disait Bah non, ça ne va pas, c'est pas. Et, et il avait tout à fait raison, il me disait Mais. La Horde, c'est un roman sur l'ouvert, et, et toi, ton dessin, il est cerné, il est très fermé, etc. Ça ne peut pas marcher, quoi. Et moi, je disais, oui, oui bah, peut-être, mais euh, moi, j'ai envie de... Déjà, j'ai envie que mon dessin, justement, il s'ouvre et qu'il euh, change. Et moi, je suis sûr que je peux faire quelque chose de bien. Euh, voilà, j'étais un peu prétentieux, puis voilà. Mais je sais pas, j'étais sûr de mon coup, quoi. Je savais que je pouvais en faire quelque chose de, de, ce, de ce roman. Euh, je ne savais pas si j'allais pouvoir le convaincre, hein, je ne sais pas, mais moi j'avais cette intuition vraiment profonde que, euh, que mon dessin pourrait tout à fait euh, mettre en image euh, cet univers. Donc petit à petit, c'est dit, bon, bah, bon bah, peut-être qu peut, que je peux lui confier mon, mon bouquin. Et euh, par contre, quand je disais, mais moi, je veux vraiment écrire le scénario, il me disait, bah, non, Eric, en fait, tu n'as jamais fait ça, etc. Euh, bon, bah, on peut faire, tu peux faire une coécriture, te trouver un co-scénariste, l'écrire à deux. Bon, moi, j'étais partant pour l'écrire vers lui, et je dis, mais on peut l'écrire ensemble, euh, faisons-le ensemble. mais il m'a dit, non, non, moi, la, la horde, euh, c'était il y a longtemps, je veux, je veux faire autre chose, je veux passer à autre chose, donc euh, moi, je m'en occuperai pas. Et, euh, et au final, euh, bah ça s'est pas fait. On a contacté des gens, mais euh, enfin, on n'a pas été dans une démarche très très active, on va dire. Voilà. Euh, et puis moi, à un moment donné, je me suis dit bon, je vais me lancer. En fait, je vais, je vais essayer. Donc je dis ça à Alain, et, en lui disant mais, de toute façon, tu ne peux pas m'empêcher d'essayer. Euh, je dis après, si le résultat ne te convient pas, euh, bah, tu ne me céderas pas les droits. Et puis je ne pourrai pas de toute façon faire une BD sans ton accord. Donc, mais par contre, si j'ai envie d'essayer d'écrire une adaptation, je peux le faire. Donc pour la représentation du vent, en fait, euh, c'est pas ce qui pour moi était le, le plus problématique, parce qu'en fait, assez rapidement, j'ai trouvé des, des solutions, en fait. Euh, donc là, comme on peut le voir sur la planche, il y a, y a pas mal de, de particules, euh, qui volent, il y, a des, il y a des traits de vitesse. Euh, là, sur cette planche-là, on ne voit pas trop les, les vêtements qui, qui flottent au vent parce que c'est le moment où ils sont en train de. Ils sont, ils, ont, ils sont sortis du village et le furvent arrive. Donc là, ils, se sont, euh, ils ont lassé leurs vêtements autour d'eux, donc il n'y a plus rien qui flotte. Mais, euh, mais dans les pages où le vent est plus modéré, j'ai utilisé beaucoup le, le fait que les étoffes flottent dans le vent, même si. D'un point de vue réaliste entre guillemets, le fait d'avoir des étoffes qui flottent dans le vent est un frein à la marche, etc. Mais ça me permettait de montrer graphiquement d'avoir une, une efficacité graphique en fait euh, qui pour moi est plus importante, est plus important que le lecteur sente le vent plutôt qu'il se dise ah oh bah c'est pas très réaliste s'il a un chèche qui vole dans le vent. Moi je voulais vraiment que euh, il fallait que ce vent existe justement puisqu'on ne le voit pas et qu'on ne le voit uniquement que par ses effets en fait. Donc euh, voilà, les, les particules, les traits de vitesse. Des fois, je dessine tout simplement les, les tourbillons, même. Euh, on peut le voir, il y a, je dessine carrément des trajets euh, possibles, du vent euh, sur les personnages. Euh, euh, voilà, il y, a les, il y a les onomatopées aussi, qui sont très, très importantes. Euh, je pense que l'univers et l'écriture de, de Damasio sont très, très sonores, en fait. A, je pense qu'il y a une sensibilité au son qui est très, très forte chez lui.